Eh bien, salut, c'est Marco Bikenzi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FC Mobile 24, tout simplement pour te montrer comment avoir Cristiano Ronaldo facilement. Et je vais te montrer comment avoir beaucoup de crédits ou de pièces rapidement. En fait, ça va te permettre d'acheter plus de jouets dans le marché des transferts. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement si t'es toujours pas abonné. Ça fait extrêmement plaisir. Et maintenant que c'est fait, on est directement parti. Let's go. Du coup, on est dans le jeu. Je vais voir le prix pour Cristiano Ronaldo dans le marché des transferts. Je sais pas si j'ai assez de crédit, mais je vais acheter le Cristiano Ronaldo à plus de 90 en de général. Rentrons dans le marché des transferts et je clique sur chercher juste en haut et à droite. Et ici, je vais rentrer le nom du joueur, le CR7. J'écris tout simplement Ronaldo. Et dans notre général, mine 80 et max, je laisse ça sur 150. Vu qu'il y a d'autres Ronaldo dans le jeu, je dois sélectionner son pays. Voilà pays, région. Et je clique dessus. Je descends un tout petit peu, je dois trouver pays Portugal. Vu que le CR7 c'est un portugais, voilà, je clique dessus. Ensuite, je clique sur appliquer. C'est pas une obligation de choisir le pays, je fais ça parce qu'il y a d'autres joueurs dans le jeu qui portent Ronaldo dans le nom. Du coup, je clique sur chercher. Il y a seulement deux CR7 à plus de 80 gènes dans le jeu, mais je préfère le CR7 à 92. Mais j'ai pas assez de crédit, donc si tu n'as pas assez de crédit aussi, je vais te montrer deux meilleures façons pour gagner des millions rapidement. Du coup, je sors d'ici pour se diriger vers la boutique. Je rentre dans la boutique. Dans la boutique, on peut gagner des millions de crédits gratuitement et on peut même échanger des gemmes contre des packs de jouets et des crédits. Et ici, je vais échanger mes 6620 gemmes. Et ça peut acheter 5 packs en fait. Pour ce pack, on me donne 2 250 000 crédits. Franchement, c'est énorme. On va me donner de jouer à plus de 80 gemmes dans les autres packs. Je te conseille de toujours vérifier s'il n'y a pas de trucs à échanger dans la boutique. Ça peut te rapporter des millions de crédits. D'autres façons pour gagner des millions rapidement, c'est dans le marché des transferts. On peut vendre dans tous les jouets que nous n'utilisons plus dans notre équipe. En fait, ça va nous rapporter des millions aussi. C'est l'une des meilleures techniques pour gagner des millions rapidement dans le jeu. Parce que souvent, le jeu nous donne la possibilité de gagner des jouets gratuitement dans les événements, dans la boutique, dans le pasta. Alors, tout ce que tu dois faire ici, c'est de mettre les jouets qui ne sont pas importants sur le marché des transferts. Déjà, plusieurs jouets vendus, je dois récupérer les crédits. 1 467 000 crédits, pas mal. D'autres jouets vendus, 818 000 crédits, c'est énorme les gars. Et 450 900 crédits. Voilà, maintenant j'ai assez de crédits pour acheter le CR7 à 92 de général. Je rentre à nouveau dans le marché des transferts. Et là, je clique sur chercher. Nom de joueur, je vais écrire Ronaldo. Note générale, mine 80 et max, je laisse ça toujours sur 150. Et je vais choisir le pays, c'est le Portugal. Il est juste en bas. Voilà, j'appuie dessus et j'appuie sur appliquer. Et voilà, appliquer. Ok, c'est bon comme ça. Maintenant, j'appuie sur chercher. Tac, voilà. Voici le CR7 à 92, alors je clique sur acheter. Ici, comme tu peux le remarquer, il y a deux prix pour le CR7. Et si tu payes pour le CR7 avec un prix faible, ça peut prendre des heures ou même des jours pour qu'il vienne. Avec un prix élevé, ça va vite venir. Alors je vais l'acheter avec le prix élevé. Ça coûte 63 500 000 crédits. Du coup, je clique sur acheter à nouveau, puis confirmer. Il va vite venir, vous allez voir ça. Ok, c'est bon, il est déjà venu.
Je vais le récupérer. Voilà, j'ai enfin le CR7. See you dans mon équipe, les gars. Et maintenant, je vais l'ajouter parmi les joueurs titulaires et je vais le mettre à la place de ce joueur-là. Pour CAS, j'appuie sur échanger. Tac, voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais ajouter le maillot de l'équipe Al Nassr et dessus, je rentre dans vestiaire et cuisson. Et je vais rechercher le championnat Rochon Saoudi League, le 28e championnat dans le jeu. Voilà, Rochon Saoudi League. Maintenant, je vais rechercher le club Al Nassr. Voilà, je clique dessus. Ensuite, je clique sur choisir. Ok, c'est bon, le maillot est équipé. Franchement, les gars, c'est trop stylé le maillot de l'équipe Al Nassr. Et c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, avec la cloche de notification. Ça fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!